J'ai été impressionné par la grandeur du bâtiment et par les chiffres qui ont été annoncés. Ça sera un palais de justice gigantesque qui pourra contenir enfin tout le personnel judiciaire. Ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, c'est que jusqu'à là, les bâtiments de la justice ont été des petits bâtiments étriqués, dispersés. C'est peut-être aussi au bout de 2 ans de travaux, on aura tout le monde qui sera rassemblé à cette justice. Le chef de l'État a toujours penser que la justice devait être indépendante dans notre pays et qu'elle devait être un pilier nécessaire de la démocratie. Voilà quelque chose qui va nous donner enfin le côté palpable de cette vision et je m'en réjouis de le représenter ici pour constater de visu ce qui a été projeté et qui sera fait.